mes formes individuelles, fut un jour expulsé de sa communauté pour une sombre histoire de corps et de vaisselle que depuis quelques mois il avait oublié. Adieu tarte aux châtaignes, fromage de brebis, cendriers en rotin, tisane aux patchouli. Sur un dernier regard pour son troupeau de chèvres, notre hippie partit une chanson aux lèvres. Le peigne et le hippie. Le peigne et le hippie. Le cerveau bouillonnant des récits merveilleux que lui avait conté quelque ancien 68. Sa coude au cœur au ventre, il s'en allait joyeux, sûr de trouver en route le couvert et le shit. Il cheminait ainsi sur les routes de France, chantant le forestier, Moustaki et Cabrel. Lorsqu'il trouva à peine que par inadvertance, un rocker négligent avait perdu la veille. Le peigne et le hippie. Le peigne et le hippie. Dit-il, quel est donc cet objet dont n'a jamais parlé le guide du routard? Maître Saint-Moulin, à prière du Tibet, en tout cas ça s'arrose, allumons un pétard. Sur la paille, il alla contacter pour gagner quelque argent un brocanteur local pour vendre sa trouvaille. L'indigène intrigué par ce curieux objet qu'il n'avait jamais vu, car il était né chauve, lui en donna bon prix, ce qui prouve qu'en fait un peigne peut suffire au bonheur d'un pauvre.